Et yop là, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors, programme ce soir, découverte de Space Gladiators Escaping Tartarus. Donc, c'est du roguelite platformer, tout dessiné à la main. C'est créé par une seule personne, donc c'est un français qui est sur le stream, qui est sur le chat. Merci à toi Thomas de passer, super cool. Parce que j'ai vraiment plein de questions à te poser, donc merci bien. Donc, Space Gladiators, j'ai déjà vu tourner, ça a l'air vraiment marrant. Avec plein de possibilités, un petit peu dans l'idée d'un Isaac, avec plein de bonus qui vont se cumuler, qui vont faire des builds craquer au bout d'un moment si, si on tient le coup, hein. Évidemment. Du coup, pas plus de blabla, je commence, j'ai trop envie de jouer en fait. Hop. Du coup. Ah, les challenges, c'est quoi? C'est à la Isaac, il y aura des trucs à faire. D'accord, c'est les défis en fait. Ok, donc ça c'est plus des succès. Ok, qui vont peut-être débloquer des choses du coup. A voir. Discoveries. Ah non, voilà. Donc là, c'est la bibliothèque. Ok. Très bien. Ce type, je peux aller voir. On va dire que c'est bon, je pense. On va quand même aller faire un petit coup. On va rien faire pour l'instant. On va laisser comme ça. Hop, Nioran. Alors, move. Ouais. Franchement, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'aime beaucoup le style graphique en fait. Je l'avais dit bah, sur le live de Rogue Justice, ça me fait vraiment penser à Cardbot Animation. Ouais, comment il s'appelle ce jeu là, avec Alien, Alien Hominid aussi. Je trouve que ça ressemble vraiment à ça. Hop. Donc on se déplace. Playing Ground. Ok. Oh, y'a un autre gars. Jacob will be a trainer. The ticket is a set of spikes. See the show is there. Ok, donc on peut maintenir plus longtemps pour rester. Ok. Dash avec gâchette. C'est graphique d'Amnemni. D'après, y'en a qu'un, mais d'autres qui détestent. Ah, mais c'est sûr. Mais moi, j'aime beaucoup. Ce jeu était vraiment fun. Hein. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il bosse sur un nouveau jeu dans cette licence qui sort cette année. Là. You can dash through enemies and projectile, but not through trap. Ah, d'accord. On peut pas dash à travers les pièges. On peut juste dash à travers les ennemis et les projectiles. Ah, on peut taper vers le haut. Ah, on peut rebondir un peu là. Ok. Ça c'est cool. Et Audrus, tu veux pas attendre genre 2 ou 6 heures pour faire ton stream que je dorme? Tu regarderas en replay. Non, en vrai, le truc où je me suis dit, tiens, c'est con, j'aurais presque décalé, c'est que normalement, si tout se passe bien, si les étoiles saignent et tout, j'ai la fibre devant en début d'après-midi. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même con, j'aurais presque pu faire le stream avec la fibre. Et après, je me suis dit en même temps, la fibre, c'est bien dit en gros que les premiers jours, il peut y avoir des problèmes. Donc, voilà. Et en fait, du coup, je pensais à Rogue Legacy pour l'attaque sautée comme ça. Voilà. Et donc là, du coup, on peut balancer les projectiles. Hein. D'accord. Cool. Nice. Oh, il y a une map. Alors, Monster Trap, Sennon, Alea, Boss, Shop, Chess, Angel, Demon, Viewpoint, Siren, Change. Il va rester. J'attends de le voir pour le croire, pour la fibre. Ah, je t'avoue que le mec il a appelé tout à l'heure, le mec il appelle tout à l'heure, il fait oui, bonjour, machin, je reprends le relais, enfin voilà, tel des 42, on va recommencer à déployer, blablabla. Du coup, on commence à reprendre des rendez-vous, quand est-ce que vous êtes disponible? Je sais pas, moi je suis en télétravail, je suis disponible tout le temps. Il fait bon, très bien, alors est-ce que demain, au début d'après-midi, entre 13h et 15h, vous serez là? Hein, pardon? Je m'attendais à ce qu'ils disent, bah à partir de, je sais pas, de mi-mai ou un truc comme ça, quoi. Alors, Earth Defense Ability. Qui tu récupères 1 HP. Ah d'accord, je peux récupérer de l'énergie en tapant là-dessus. Alors, deal damage, skill is strange. Ok.
D'accord. Oups. Ready for a final challenge. Ok, climb up the tower, the useful is waiting for you at the top. D'accord, ok, en fait, c'est un coup de l'énergie tout à. C'est quoi une school of wisdom training? Peut-être schmook. J'ai bien un schmook, moi. Ça sert bien ça. Ah, d'accord, on peut. Okay. Oh! Bolivian Energy, my dude. I'm bringing my work family to see you fighting and. Ok, super. Non plus. Bien sûr, ça. Alors, inventaire, ok. Du coup, donc. Ah oui, il y a les stats détaillés. Quel spawn, armor, strength, technologie. Alors, attends, on va quand même dire ce que ça fait vite fait, quoi. Alors, strength, build damage, avec chaque coup. Nanana. Ok, donc les compétences cool, ça se base sur la force. Les bleus avec technologie. Chaque fois qu'on prend des dégâts, ouais, on renvoie des dégâts. Vampirisme, ok. Spikes. Ah, d'accord. Ah, il y a une différence entre les épines, qui quand je prends les points de dégâts, ça renvoie les dégâts. Et les pics, c'est quand c'est une armure qui se fait endommager, ça renvoie des dégâts. Speed, jump, carré. Donc encore une fois, il y a Blobfish Dev, hein, c'est le dev du jeu, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Vu qu'il est bien sympa de passer, bah, du coup, n'hésitez pas à lui poser des questions. Bah moi du coup, j'ai les petites questions, on va commencer tranquillement. Donc finalement, toi tu bosses tout seul. Alors j'ai vu que dans les crédits il y avait une autre personne, donc sûrement ton frère qui doit te faire un petit coup de main aussi. Et en fait, donc t'as fait quoi? T'as terminé tes études et tu t'es dit, tiens, j'ai dev en jeu tout seul. Est-ce que ça sert à quelque chose de défoncer les papillons? Ok. Ok. Ouais. Très bien. Un truc, j'ai avoir du mal, c'est je sais pas pourquoi je vais absolument dasher avec la gâchette gauche et pas la gâchette droite. Alors du coup moi je suis à la case à gauche. Donc là je suis en monte. Donc en haut et en dessous on sait pas ce que c'est. Toute la ligne du centre c'est que des pièges. Les monstres rouges on va dire que c'est quoi? On va dire que c'est des monstres un peu vénères j'imagine. Du coup là je ferais bien genre bas, monstre, pic, machin. On joue à Bluffish ou Bluffish c'est la boîte ou c'est un mensonge et une trahison. Puis mon master en alternance et je me suis dit c'est le moment. On va te faire m'aider surtout pour plaisester et pour valider ou non Stanley, d'accord. Je vais modifier les touches, ok. Ça peut dire qu'il y a pas de bouclier, on est peinard là. Là on est bien. On est bien, sauf si j'arrête de faire un... sauf si je fais n'importe quoi avec mes touches. Oh, j'ai tapé oui. Au fond, il a du son, ça bon. Donc du coup, donc quand on meurt, il y a le perso, il gagne un XP quand même. Donc là, par exemple, j'ai gagné plus 100 max HP. Ah voilà, j'ai débloqué un autre perso, j'ai débloqué la patate.
Alors il commence avec Meatball, avec 5 vampirisme, 10 turns, il trouve plus de fruits, et quand même moins il termine 5,000 coins. New run. Ok, donc là maintenant j'ai les deux persos, j'ai le gladiateur ou j'ai la patate. Alors faire un petit coup avec lui. Alors du coup là je faut que je choisisse des choses j'imagine. Oh merde, y'a un bouclier. Donc ça te fait les dégâts quand tu le tapes. Bah non, un perso un peu plus facile. Ah. Prochaine run. Alors 10 négociations, 5 pigantes, bon 10. L'île des mèches, c'est ce challenge, ouais. Du coup c'est soit l'un soit l'autre. Ah non, c'est les deux. Waouh, on peut avoir les deux. Ouais, c'est LB pour la... Ah, et puis ça, c'est l'inventaire ici. Et du coup, on peut... Bah, on va voir, de toute façon, en fait, pas que je pense non plus trop de questions. On va voir si... Ouah. Je vais voir... En fait, je sais pas si je peux voir... Si je peux aller dans toutes les zones ou pas. Ou si j'ai un choix à faire. Ah, apparemment, je peux plus retourner partout. Alors pourquoi je peux pas redescendre? Ah, ça se tire au fur et à mesure, d'accord, ok. Ok, ok. Ah ouais, donc ça veut dire si je veux le coffre par exemple, je suis obligé de me faner tous les pics. Si je suis sur la voie du haut, j'aurai rien. Ok. Bon, on va faire ça, on va aller voir les coffres. Ah, y a un secret là. Oh, un super bouclier. Consume value energy, but cause give you setup by energy and consume. Ah, mais ça fait de l'attaque speed en moins. Zut. Donc il n'y a pas de système de recyclage par contre, pour s'il y a des objets qu'on n'a pas besoin. Eh merde. Enfin... Oh mais bien joué. En fait j'ai vu le secret... Oh putain. J'ai vu le secret en bas, je me suis dit il faut que je le prenne. Et bon bah en fait le truc c'est que l'objet défensif il y a de recycler mais faut le débloquer, très bien. Bon on prend la patate ça qu'on a dit. Alors Blue Energy Ball, là, deal 8 damage, aux ennemis, scale lui sur technologie. Très bien ça. Ah non mais ça me prend à la place de quoi? De la meatball. Hein? Ah meatball ça paraît cool quand même. Mais je peux utiliser autant que je. Mince. Ah oui, voilà, je l'utilise aussi. Ouais. Ah oui, je peux péter le truc. Depuis tout à l'heure, je pète rien, alors qu'en vrai, on peut complètement péter tous les, la plupart des objets. Alors, on fait quoi, là? C'est quoi, ce machin? Il y a un chape en haut. Ange en bas. Par contre, j'imagine que les mobs rouges, ils sont vénères, quoi. On va aller en bas, on va aller voir ce qu'il y a.
Ah merde, je me suis couru. Ah mais non, il faut pas que j'appuie sur les trucs. Ok. Pardon. Ok. Ah mais en fait d'accord. Ok, donc là j'avais j'ai complètement piffé le truc où j'avais 51% de chance que ce soit cool et 49 ça va pas bon. Ok. Donc ouais c'est bon cette salle pour pouvoir tester très loin. Tu devrais y retourner pour perdre tes derniers HP. Carrément. Carrément, carrément. Donc le jeu est sorti en accès anticipé hein, sur Steam depuis, depuis octobre. Là il y a eu une grosse mise à jour récemment. Donc c'est cool. Oh! On va voir ce que c'est un mob rouge. Hein. Un mob rouge, c'est peut-être juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de mobs. D'accord, donc eux ils. Eux ils tirent. Lui il fait quoi? Attendez à pire. Du coup, j'aimerais bien voir ce que ça fait le petit ange. Meatball, bah, c'est déjà ce que j'ai en vrai. Pirate Doll. The Hue from Chapel Actile. Oh, c'est cool ça. Allez. J'ai presque envie de, l'essayer, mais de toute façon, on va l'essayer sans faire exprès donc. Je sais vraiment pas à quoi ça sert, les... enfin je sais pas si les papillons ils ont une utilité ou pas. Alors reward, donc là, hop là, donc en gros le but, enfin le point histoire hein, c'est qu'on est enfermé dans une prison et il faut qu'on s'échappe. Hein. Et du coup pour s'échapper bah, il faut gagner notre, liberté en, en combattant les arènes. Et là j'arrive à une arène en fait où en gros il y a la récompense de... voilà, je peux choisir la récompense que je vais avoir et en haut c'est, je peux voir le type de mob que je vais affronter. Block one hit every room, ça me paraît fort. Small chance finding item is indestructible, ouais, 25% damage when you're full HP. Alors, on va pas se mentir, ça, ça va pas durer longtemps. Ça, pourquoi pas, mais on va plutôt partir là-dessus. Hein. Ok. Je sais pas si je peux. Ah si, je peux les péter les projectiles. Putain, je cherchais la touche pour jeter la meatball. Mais non. Ah mais ça va aller, au bout d'un moment j'arrêterai de faire n'importe quoi avec mes touches. Ok. Très bien. Ça passe complètement. En gros je les ai tués, alors pourquoi je les ai tués les ennemis? Le talent évidemment.
Mais en gros, je les ai tués juste à cause de ça, à cause de ça. À cause du fait qu'en fait, quand ils font perdre des points de vie, ils prennent 20 points de dégâts, quoi. Alors, plus 1, max énergie, moins 1, max HP, 10 damage, scale with your armor, mais j'ai pas d'armure, donc voilà. Plus 1, metal scrapping. Un metal scrapping, c'est le truc qui fait que je récupère de l'armure quand je pète des trucs. A chaque fois que je mets des coups, je récupère. Enfin, au bout de 20 coups, je récupère un d'armure. Wow! Donc ça coûte 3 points d'énergie, par contre ça fait 16 dégâts. Et ça me refile un point de vie si jamais je. Si jamais je touche un ennemi avec. Cool! Allez, on prend les deux. Et donc ça, j'imagine que c'est pour Roll. Ça c'était quoi? Max énergie, max HP, non. Tu ferais ton bouclier une fois dans le vide histoire de voir comment ça fait. Vous êtes vraiment des trolls, hein. C'est quand même terrible quoi. Voilà. Ce que j'ai dit que j'aime bien aussi, c'est les pièces. En fait, j'aime bien les explosions de pièces d'or à chaque fois qu'on pète des trucs. Alors, on a quoi alors? Il y a un change en bas, nanana, un ange. J'ai bien aimé l'ange, hein. Continue ange, hein, ça paraît cool ça. Donc, je vais descendre et après, on va faire d'autres trucs. Ah mais tiens d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas du tout utilisé ma compétence que j'en ai acheté. Alors, heureusement j'ai le machin qui est... Ah merde mais... Je suis un débile. J'ai dit que je voulais sur la ligne de l'ange et je viens de descendre. Oh là là, c'est terrible. Ouais, merci. Ah, mais je voulais péter les machins là. Ah, le jeu il me prend vraiment pour un grenasse quoi. Du coup, il se dit tiens, j'ai comme dû refaire des points de vie parce qu'il me fait de la peine quoi. Et ça me fait plaisir. Continue comme ça le jeu. Yo le crime! Alors c'est quoi ça? Want some dope stuff. Ouais, ouais, ça paraît bien. Plus de technologie? Genre y'a pas de contrepartie, c'est un truc bénéfique seulement. Ah mince! Ah oui, donc là c'est la salle de challenge. Mais si je. Ah non, j'allais dire si je veux, je peux peut-être ne pas le faire. Mais. Attends, je. Ah. Ouais, c'est je commence à faire n'importe quoi, rien de. Échoué avec un jambon, ouais, je sais. Ah, new item and act. Pocket Magician is in ability, has 10% de chance of staying 1 energy, ok. On va continuer avec la patate, parce qu'effectivement, la patate, ça a l'air quand même plus simple. 20% négociation. Alors, négociation, on imagine que ça sert à quoi? On imagine que ça sert pour les magasins. Ouais, c'est ça. Mais par contre, moins 1 à max énergie. Mais le truc, c'est que là, j'avais vu des objets qui coûtent 3 énergie.
j'ai une meatball. Et du coup, le jeu, il se dit, tiens, si tu veux, tu peux avoir une meatball à la place. Sachant que les meatballs, c'est les mêmes. Art, defense ability, blablabla. Et par contre, ce que je comprends pas... Ouais. Et du coup, elle a quoi? Elle a un cooldown, en fait, là? Ah non, il coûte 3 points. Ok. En fait, je crois que c'est quand je me faisais toucher, je... Ok. Ok, ok. Alors, on va aller prendre le coffre. J'ai pensé trop tard que le... J'ai pensé trop tard que le... L'espèce de grosse bouche là, elle balance un triple coup. À côté de par là. Ok. Du coup là on va aller ils sont jetés à fond. Alors c'est quoi Platinum Shoulder Armor? Bah c'est cool, ça appelle Hits Armor, recover 2 HP, 16 coin, ouais. Bon bah du coup ouais en fait je n'ai pas vu. Dans sa description, Jean-Michel, mais en fait, lui, voilà, il mange les armures, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. En gros, donc il a plein de trucs cool, donc il commence avec les meatballs, il a 5 vampiristes, 10 centarnes, il trouve plus de fruits, etc. Par contre, il peut pas avoir d'armure, en fait, il les mange pour récupérer des points de vie et de la thune, quoi. Botage, c'est maison, non, ça vient d'une librairie en ligne, malheureusement. Un dessin me disait quelque chose, et Paul, le petit journal qui utilise les mêmes sons. Hein. Alors du coup il y a quoi? 25% de damage full life, the effect of food, pet deal 50% mort damage, on a pas de pet, c'est dommage. Allez on va faire genre, on va être full life quoi. Bien joué. Mais non! Ah mais du coup ça compte comme un piège par contre le truc moche ça. Alors je suis un peu triste parce qu'en gros les petites boules, les petits trucs rouges... Ah ça te donne un pet! Ah zut! Une tilté que tu es France MT éclaté en fait, ce truc. Wow. Plus 3 armor, moins 10 speed. Alors, est-ce dans ce cas, il peut avoir une armure quand même, du coup.
Bien ça. Et bah du coup je peux faire ça. Je peux faire paf paf. Du coup si je fais ça. Ouais, je peux quand même avoir de l'armure comme ça en fait, je peux arnaquer. Et avec ça, je peux. Écoute-moi, 12. Oh bah 12 c'est. Ok, on est pas mal. Voilà, j'avais 3 points d'armure, ça a duré 2 secondes. Les premières runs vont être compliquées, hein. Le temps d'apprendre les patterns des mobs et tout, ça. Oh, merde, en plus, par contre, c'est à chaque fois en fait. À chaque fois, j'ai tendance à appuyer sur B pour sortir de. Pour sortir du menu. Enfin, de la carte, pas du menu. Mais non, je saute dedans. Ah mais du coup j'ai pas trop d'argent en fait, je peux penser. Bah dommage, ça aurait pu être sympa. Oh, je suis dégoûté, il manque 6. Y'a pas moyen de vendre un rein ou faire un truc comme ça là pour Ah je suis triste, ça aurait été cool ça. Pas mal de personnes se trompent pour la touche. Ouais bah en fait c'est. Je pense par habitude t'as toujours envie de faire B pour revenir en arrière dans les menus. Et tu penses pas que du coup il faut appuyer sur la. In training, what a shame. Mais du coup, si je tape là-dedans, je perds un point de vie, hein, ce que. Ah ouais, mais d'accord. Ah. Ok. Bon, on peut faire beaucoup plus parce que. Shop sell one item. Star 2 HP. Ça, c'est cool. Stick tool, 20% speed, non, on va prendre ça. Bon, 22 mobs. J'y crois à mort, c'est la chance de ma vie. Allez. Oh putain, c'est quoi ça? Ah mais d'accord, il met un coup de monsieur en fait, j'ai pas compris. Très bien. Ah. Alors 3-1, 10 speed, moins fort, moins technologie, ouais, on va quand même prendre. Pourquoi le jeu ça fait deux fois qu'il met Meatball au début avec Meatball? C'est juste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets dans la poule et qu'il met ça? Peut-être. Ok, alors là, j'ai 22 thunes, c'est un peu rien au shop maintenant, je pense.
Ouais, je vais me faire ça à la ligne du bord. Puis tous les objets que tu as découverts, mais je vais peut-être changer ça, ouais. Bah là en l'occurrence c'est un peu dommage d'avoir la poule. Ah non mais je suis bête. Après du coup ce sera évidemment moins le cas hein, si une fois que j'aurai débloqué plus d'objets, mais c'est vrai que là du coup c'est un peu dommage d'avoir hein. Pas dommage hein. C'est bien sûr Game Starters. Ah mais je peux les péter les trucs qui m'envoient lui. D'accord. T'as faim que je pense que je peux péter les projectiles en fait. Parce que clairement le jeu est prévu pour hein, donc j'ai raté. Alors, nana, 2 HP, target for a second. Ouais. Active shoot beacon and suppressing. J'ai envie de tester ça, ça a l'air marrant. Ah, j'aurais dû taper vers le bas en fait. Ok. Quoi? Mais je fais non. Voilà. C'est tellement de moule. Bien joué. Ok, donc là j'ai plein de thunes. Ouais. Plus 5 turns, ça peut être cool ça aussi, j'ai déjà plein en turns. Voilà, du coup, ça me ferait 2 points de vie, ça c'est quand même. Plus de technologie, il faudrait pas tuer avant. Ouais, mais là j'ai pas de potes. Ça on prend, c'est sûr, et après pourquoi pas hein. À la limite, en tant qu'à faire, faut regarder la fin de la thune. Hop. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a le chemin du haut avec un coffre, il y a le chemin là, il y a une boutique en bas, j'ai pas envie d'aller à la boutique. Ah ouais, aller à la boutique. Les bruits des cœurs, ils sont terribles. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Déjà, on va péter les machins. Alors, poop every visible for 7 damage. Avec le max HP, ça fait l'attendre en moins. Ouais, mais là, c'est le truc qui fait. Mais quand j'ai plus qu'un point de vie, mais ça c'était avant. Ça c'est quand on était pas bon. Non, je vais prendre ça.
Je vais avoir moins de turn. C'était tellement joli d'avance. En fait, on peut quand même pas mal bourrer hein, les amis. C'est finalement vu que les tirs ça annule beaucoup de boulettes. Pas des bisous de russe, pardon, j'aurais eu. C'est de tous les deux que t'as découvert. Non, si tu te fais pas toucher, la tente sert à rien de toute façon. Exactement. Exactement. Boum. Alors, y'a quoi là? 50% en charisme. Bah ben voilà, c'est beau ça. Et charisme, ça fait quoi? Ça va pas ruiner, là. Ah, d'accord. Quand tu gagnes des. Quand tu gagnes des combats d'arène, tu. Tu gagnes plus de thunes. Logique. Ouais, je peux. C'est quoi, c'est random ça? No. Allez, on va aller voir ça. Ça va coûter cher quand même. Alors, ça ok. 5 meta scraping, open and screen objectable. Ouais. Non, on va garder ça quand même. Plus enfin sur notre technologie. Ouais. Ah ouais. 5 ans et 8 ans, Mikan. C'est pas mal ça. Du coup, je vais prendre ça. Ah mince, ah, mais c'est la place de l'autre. Ouais, ouais. Ouais, en même temps, ça, j'arrive pas trop à l'utiliser, donc c'est pas trop grave. Ok, ouais, donc les poupées, ouais, en fait j'ai pas fait gaffe, il y a un slot de poupées. Ok. Ouais, il y a un slot de composantes offensives, une défensive, armure et poupées. Ok. Bah, sinon je peux plus acheter ça, comme ça au moins les meilleurs. Les couleurs, c'est juste lié au type d'objet en fait, il n'y a pas de rareté.
gauche pour la force, bleu pour la technologie, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, si je vais tout droit, il y a une boutique. Bah là, on voit que ça commence à s'énerver, il n'y a plus que des monstres rouges. Hein. Bon, on va aller là, hein. J'y vais, mais j'ai peur, hein, comme on dit. Ah non, non, je suis bête. Ouais, j'étais sûr qu'il me touchait. Mais t'aurais pas une portée beaucoup trop grosse, toi? Je vais t'aimer tout là. C'est un peu le message que j'ai cru percevoir. Plus 100 max HP et je regagne 5 points de vie. Ouais, c'est pas bien ça. Ouais, ça c'était bien aussi, ça. 20 ans en vampirisme. C'est soit l'un soit l'autre, mais. Et ça quand même, quoi. Mais... du coup en bas il y a un challenge, un des challenges d'ailleurs je me suis fait défoncer. Hein. Mais cela dit je préfère peut-être le challenge plutôt que deux salles. Encore que... Est-ce que c'est vraiment le cas? Ah mince! C'était pas ça que je voulais faire, je voulais lancer le. Ah! Ah mais je suis fou là. Ah, dommage, j'en ai une super armure, mais sauf que moi je les bouffe les armures, alors c'est un peu con. Alors, alors certains objets sont plus rares que d'autres, mais c'est pas lié à quoi, ouais. C'était pas un recover 5 HP, en fait ça fait le recover 5 HP et ensuite ça rajoute un max HP. Ouais. Bon, en fait je l'avais compris comme ça, mais effectivement c'est un petit peu frustrant sur ce coup là quoi. Ah non mais c'est une catastrophe hein, taper à 7 quoi. Mais du coup je l'avais bien compris en hein, ça va me filer 5 et après ça m'augmente d'un quoi. Attaque speed. Plus de max HP, moins 1 spike. On s'en fout, spike, ça me sert à rien, j'en ai pas. Plus 3 vampirisme, moins 1. Bah, je vais prendre ça. Hein. Ah, mais du coup, ah merde, c'est une dolt. À chaque fois, je me fais avoir par contre ça. Ah, ça serait. Ouais, c'est un truc aussi. Je vais peut-être bosser. Enfin, modifier, c'est le fait que les deux objets puissent pas se superposer. Là, par exemple, la dolt, ouais, je peux y avoir accès que quand je suis un tout petit peu. Ah, tu peux le taper, d'accord, ok.
Ok, effectivement. Du coup, j'ai le choix entre le plus 2 max HP ou alors le plus 1 et qui me fait 5 pièces à chaque fois que je tue un ennemi. En gros, les deux sont cool hein, parce que le 5 pièces, ouais, je crois que je vais quand même prendre le 5 pièces en vrai. Alors, je pourrais aller en bas pour avoir un coffre. Ouais, on va faire ça. Heureusement, j'avais. Ouais, non, pourquoi je me suis pas fait toucher? Ah oui, bah ouais, ok, effectivement j'ai le Strongbound. Ça en fait je serais à me dire, mais non, c'est pas dans cette. C'est pas ce coup-ci que j'ai la poupée qui bloque un coup. Mais en fait, c'est que ça bloque un coup, peu importe la source. Alors, Bolt Gun. 5 bullets, but it deals 3 damage. Et ça se calme sur la technologie, sachant que j'ai 600 technologies. Et ça fait plus 2 en 16, plus 51. Ça fait quoi déjà? Ah, ça fait de la thune chaque fois que je suis quelqu'un. Et du coup, ça viendrait à la place de ma meatball, ça. En même temps, la meatball fait 18. Et là, du coup, ça ferait 3, mais ouais. Ouais, je vais prendre ça juste pour les turns, en fait. Les autres packs plus 5 technologies, et bah impeccable, ça tombe bien, je viens d'avoir un truc qui escale là-dessus. Bon bah dommage. Allez, on y croit, 25% de dommage, j'ai full HP, stick to roll, en France speed, description. On va faire ça hein, pour l'instant, je suis plus de la thune. Ouais, par principe, je le bouffe. Ah, mais non, mais ça, j'aurais pas dû faire en fait. Ah mince. Oh là là. Ouais, mais ben, j'ai pris des milliards de coups alors qu'il n'y avait aucune raison. Alors, 10% maintenant, la meatball. Vigilant Ring. Prendre ça, hein. Et c'est quoi ça? Oh cool! Merci le jeu! Ouais, on va faire ça des fois que. 5 spikes, non. 10 HP. Bah ouais, je crois que je vais prendre, non? Attaque is. Non, attaque no deal 18 dégâts. Honnêtement, ça presse le coup vu que je fais pas de dégâts pour l'instant. En plus, ça se cale sur les max HP, donc j'en ai pas mal. Mais par contre, il me faut quoi? Il me faut 324. Bon, ouais, je crois que le jeu il m'envoie un message. Hein. Je pense que le jeu. Ah merde! Ah ouais! Bien joué, de lâcher dans le coin. Ah
J'y suis allé comme un goré, mais bon, tant pis. Vous avouez que vous m'y attendez pas. Ok, donc du coup, j'ai fini le premier biome. Oh merde, il explose. T'as combien de biomes pour l'instant déjà en place? Bon, elle est tout droit, mais il est cool. Hein. Les patates de viande. Oh non! Allez! Yes! Ça par contre, je pense qu'il faut que tu le... Je pense qu'il faut que tu le signales quelque part qu'on peut taper dans les objets pour les faire bouger. Ouf! Trois biomes, d'accord. Mais non. Cool. Bon bah j'ai... voilà, je voulais prendre le challenge là, je voulais pas du tout péter l'escargot qui était à ses pieds. C'est aussi au joueur d'expérimenter, ouais pourquoi pas mais... Non après c'est pour... je sais pas, ça dépend. Ah non, mais si ça touche l'ennemi que là. Bon, ça commence à aller mieux là. Ah, le petit shield qui fait plaisir. Flake de mage, je vais me protéger aussi. Voilà, donc du coup j'ai pris le challenge là sans faire exprès et il m'a mis un challenge de bouclier. Parce que évidemment le jeu sait que j'ai mis bouclier. Salut Yann, clin d'œil de Hollow Knight. Oh, il y a beaucoup de. Putain, j'ai fait. Il faut que j'arrête de taper. Faut que j'arrête... Non, remarque là, ça va. Là tu peux taper, c'est. Là c'est pas en tapant, là c'est en faisant avec gâchette gauche. On peut y voir un petit clin d'œil Hollow Knight, c'est vrai qu'il y a plein de mobs qui ressemblent un petit peu, qui a. Ça mixe beaucoup de... Enfin, je trouve ça mixe beaucoup de choses, quand même. Beaucoup de jeux, et... Double dégâts, tech, double dégâts... Non. Ah, bah voilà, c'est cool, ça. Ok.
Je vais prendre un petit compagnon, ça fait plaisir. Ah, énergie, ouais, ouais bah, pourquoi pas, hein. Au pire. Hein. Bah d'ailleurs, ouais, Thomas, tu nous parles un peu de tes influences sur le jeu. T'as quoi comme influence? Enfin, j'imagine qu'il y a plein de trucs, hein. T'as dû quand même jouer à beaucoup de jeux, quoi. Aussi bien du Rogue Legacy que. Bah, que du Isaac, Hollow Knight, sûrement un peu, ouais, pour le ton, pour un. Ah, mais c'est ça, un schmoop! Cool! Merci. Alors, plein de trucs, Hollow Knight, Isaac, Dead Cells. Ouais, d'ailleurs, on parle assez avec ça, je l'ai pas encore dit. Mais honnêtement, la maniabilité, elle est super plaisante. Et justement, il y a un petit côté Dead Cells. Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, ça, c'est un truc tout con, mais le fait de pouvoir sauter dasher immédiatement, je trouve ça super plaisant pour se déplacer, quoi. Donc, presque l'attaque se tombe. BMS, que ça crache, etc. Un peu sur les spires pour la map, ouais. Bah, ça, c'est cool aussi. J'aime bien la map, l'idée de devoir faire son chemin à l'avance et voir un peu ce qui va se passer, quoi. J'ai bourré comme un âne. Ah mais le... Ah si, il s'arrête quand même, ok. Alors, je suis triste, en fait j'ai fait Y au lieu de B. Et du coup, bah... Je suis le pire. La patate volante. Il y a un truc que je voulais voir, c'était quoi? Ouais, c'est le machin. Quelle suffer worm deals 7 mana of damage. Ah, mais du coup, le alien worm, ouais, c'est... le alien arm, c'est. Le truc alien arm, c'est ce que j'ai tout le temps, du coup. Ah, c'est ça, ouais, ouais effectivement. Je l'ai tout le temps et par contre je peux l'utiliser pour le balancer à. Get random injection when you buy an item. Ouais, je sais pas si c'est si bien que ça. Allez, on verra bien. Ouais, on va voir si je suis les 26, je suis un peu bête aussi. L'arme de base, ouais, mais en fait, il suffit juste de lire, en fait. Comme souvent, finalement. C'est que ceux me font penser à. Les meubles avec le bouclier me font penser à ceux du château de Dead Cell à la fin. J'ai pas trop envie de me taper un gros meuble rouge, je le trouve vénère, là. Tu sais, y aller. Elle est comme ça. J'ai vraiment réussi à me faire toucher deux fois. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris le truc qui me rend double dé... Alors attends, excusez-moi, on va pas être trop bête, c'est tout à l'heure je suis dégoûté d'avoir
d'avoir vendangé un truc. Chapsel 1, I don't know. Earth explode for 30 damage when colliding with enemies. Ah ouais. Alors ça par contre c'est bien et pas bien. Donc le Explosive Heart en fait c'est le truc qui fait que je peux balancer au sol. Et je balance le cœur, je peux le taper pour récupérer un point de vie. Mais par contre là s'il explose je peux pas le taper et je peux pas regagner point de vie évidemment. Bah juste entre le premier et le dernier mais je vais prendre celui-là quoi. Celui-là tout de suite bon le fait que mon perso il saute haut. Je vous avoue que ça me passe une fois, mais c'est une tuerie là, je connais pas ces maps. Ok, bien joué. Hop là. Bienvenue, bien Yama. Putain, je joue comme un gore. Ça va être pas trop mérité cette victoire là. Sachant que comme je disais en début de soirée, hein, pour l'instant ça picote un peu les yeux, mais normalement demain au début d'après-midi j'ai la fibre. Du coup, à partir de demain soir, ou en tout cas dans les jours à venir, on pourra faire du 720p. Et ça sera cool. Hein. Ça sera super cool. Je vous avoue que j'attends ça depuis très très longtemps. Ah mais d'accord, il peut avoir des affixes par contre. Parce que du coup, moi, le cœur que j'ai là, il... Ouais, le cœur que j'ai, donc il me file un point de vie. Par contre, celui-là, il fait ça, mais il me fait moins 2 en force. Celui que j'ai, il l'a pas, cet affixe-là. Alors les schmoops, j'imagine d'avoir un truc, un délire avec, parce que ça coûte 162. Ah, peut-être ça m'a refilé un point de vie. Ouais, ouais, voilà. Ah oui, du coup, c'est vrai que j'ai oublié que si j'achetais un objet, il me refilait. Il me fait une injection. Ça te dit, ouais. Ouais, du coup, j'ai testé. Alors, qu'est-ce qu'il me propose là? Plus 30 piggy banks. 50 chance to take one damage at start of room. Non, 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 monsieur. Vampirisme, j'ai rien, je crois quasiment. Ouais, j'ai 0. Ah, d'ailleurs, là c'est pareil, la Ritual que j'ai, moi elle fait 5 pièces quand je tue un ennemi, plus un max HP, celle-là elle fait juste les 5 pièces. Vu que t'as Strong Bone, ça s'annule. Ah, ça s'annule si je me fais pas toucher. Mais dans l'idée, oui, effectivement, ça s'annule. Mais. La piggy bank elle fait quoi? Elle fait que t'as plus de thunes? Ouais, ça fait de la thune quand tu dis t'as. Ouais, mais. Je vais peut-être prendre ça en vrai. Allez. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Plus de armor, bon, très bien. Ah, du coup, ça me ferait 30 pièces d'or à la fin de chaque. Ah bah, bravo. En fait, je voulais pas forcément le prendre, j'étais en train de réfléchir. Et j'ai ripé. Ok, très bon. Salut mec. Magical Elephant. Technologie avec max HP. Ça veut dire que j'aurais pu que... Du coup, ça veut dire que j'aurais 15 max HP et 8 en technologie. Sachant que j'ai rien qui sait ce qu'elle sur la technologie, on est d'accord quoi. Bah, ça me paraît bien cette histoire. Hein. Après, ça reste des max HP, hein, mais.
Du coup, ok. Donc là, on est de nouveau dans un niveau qui est un peu vénère. Je pense que... Ah, 8 bonnes! Ah, c'est rigolo, je savais pas qu'il y avait des armes. Mais non, mais je pense que je vais faire la ligne là, on va aller voir l'ange. Ah. Mais je suis... Bien joué. Bien joué. Merde, attends. J'ai pris un truc, j'ai pas lu ce que Limit the time spawn see friendly souls when you enter a room. Ah ouais, ok, bien ça. Ah mais le truc c'est que ça ressemblait vachement à un fruit. Et du coup j'ai cru que c'était un fruit. Ouais non, on a dit qu'on restait là. Hein. Très bien ça. C'est cool ça les petits... Alors ils font quoi ça? Par contre je suis triste, j'ai pas réussi à trouver de salle secrète pour l'instant. Oh mince! Enfin, pas des salles secrètes, mais des petites zones secrètes, il y en a pas mal en plus, mais... Quoi, take him some time to die? Mais non, mais tout va bien! Qu'est-ce que... Moi, je trouve que ça se passe bien. Alors, y'a quoi? Je t'ai bien arrivé à la fin avec ce build. Ah, je. Non. Ah, mais ça, c'est une dalle. Ouais, mais... En vrai, plus 14 et plus 1 vampirisme. Ah, mais je perds mon plus 1 max HP, ça fait chier ça. Ah, mais en même temps, j'en ai plein des. Pour les leviers que tu continues à taper alors que ça balance des trucs. Oui, mais il y avait les ennemis qui se les prenaient. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se les prenaient, je suis pas sûr, faut que je vérifie. Ça, c'est cool hein, quand même. Je perds un max HP, mais en vrai, de toute façon, 14 ou 15. Parce que celui-là, du coup, c'est quand même pas mal, hein. Ça fait plus 4 turns. Et plus 100 en vampirisme. Et vampirisme, j'ai pas mal la force. Il est où? Ouais, tous les 11 coups, je regarde un HP, c'est pas dégueu quoi. C'est ça. Quoi? C'est quoi ce truc fumé là? Après ce qu'ils faisaient, ils se jettent, après ils balancent des boules, c'est pas très sympa ça monsieur. Il a pas l'air super amical lui. Voilà si c'est un black magic. Non. Non moi je l'aime bien ma poupée. En fait j'ai peur que ça annule automatiquement la poupée que j'ai pas envie. Faites activer. Bien habitué deux fois moins fin et en fait il 50% more damage. Alors est-ce que les petites poupées sont considérées comme des pets? J'imagine que oui. Je pense hein, on va dire que oui. Bon bah la réponse était oui, très bien. Ouais c'est bien ça. Allez. Oh merde, il y a des pics là.
En vrai, c'est un peu compliqué là. Oh la vache! Oh non! En vrai, c'est quand même super chaud. Hein. Parce que. Oh cool, j'ai deux petits. Excellent! Là, on peut en avoir plusieurs. J'ai peur là. Ouf. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Rien. Ah du coup on a quoi là? Ah plus 5 turns, c'est cool. Ouais non, j'aime bien mon offensive. Non. Bah c'est bien ça. Et ben on va prendre ça. Ah oui, c'est vrai qu'il me file des trucs en plus. Prendre ça. Et puis en vrai on va même faire un petit coup de random hein, parce qu'on est comme ça. 5 damage to every enemy in the room, get it. Pourquoi pas. Spike non parce que j'ai pas d'armure. 10% attack speed, ça pourrait être cool quand même. Mais je peux pas prendre les deux. 5 technologies. J'ai pas le truc, ça se calcerait. Enfin non, j'ai pas. Non, en vrai j'ai pas tant que ça. Plus 1 armor, plus 20 spike. Pouah. Prendre ça. Et plus 5 technologies. Ça c'est max HP. Là c'est le charisme. Il y a lui en technologie. Ça coûte cher quand même. Bon ouais, je pense que je vais m'arrêter là en vrai. Tu vas rouler sur le boss qui arrive. Oh merde, il y a un boss qui arrive. Ah. Ah. The engine. Ok. Il est bien ce build. Quel boss. Item jungle. D'ailleurs du coup à terme tu penses avoir combien de biomes? Parce que donc ouais, je t'avais posé la question sur un stream à l'époque. Donc tu disais encore 3 ou 6 mois de développement, enfin tu sais pas trop mais on va dire ça. Et tu pourras combien de boss à la fin quoi. Yo Gramoul, je t'ai même pas vu arriver. Pourquoi c'est vraiment un Twingo? Je ne fais que passer, ah. Ah yo. Alors on a dit qu'on allait où? On a dit que la voie en dessous elle est pas mal, hein. Enfin soit en dessous soit au-dessus, mais celle du dessous elle me plaît bien avec le petit ange. Hein. Pas trop pour les biomes parce que j'ai pas envie d'en ajouter plus à faire dans un run pour pas que c'est une troll. Ouais, c'est pas faux ça. C'est vrai que les...
C'est vrai que les roguelikes, quand c'est vraiment, quand les runs sont trop longs, c'est un peu, je suis pas ultra fan. Ouais, vas-y, mec. Plus 3 armor, moins 10 speed. Ouf. Ouais, ils sont pas ouf ces trucs, lui. Nala pour améliorer. Ah non, mais là, chaque biome est découpé en 3 sous-zones avec des ennemis et des pièces spécifiques, donc peut-être que j'ajouterai plus de sous-zones à la place. D'accord, pour améliorer les diversités. J'aime beaucoup le look du. Ah non, mais clairement, tout dessiné à la main, mais c'est vraiment super cool, quoi. Et franchement, il y a vraiment beaucoup d'ennemis différents en fait. Hein. Depuis le début, là, on a vraiment eu plein de choses. De toute façon, à la fin de la run, on va. Et j'irai voir, il y a une. Il y a une sorte d'encyclopédie, donc qui du coup là va être remplie avec ce qu'on aura vu. Et franchement, il y a vraiment beaucoup d'ennemis quand même. Oh. Allez, on y croit. Alors, il y a quoi là? Climbing skill, Earth Factory, Canada, 3, le fil at the same time. Ah, ça peut être pas mal ça. Ouais, je vais prendre ça en vrai. C'est bon, c'est bon. Bah, attendez, du coup, hop, je reviens, je vais coucher mon fils. A tout de suite. Ok, run. Alors attends, talalala. Après la bataille, tu as développé le jeu seul, sans qu'on ait dans l'équipe, grand, tout ça. Je travaille avec un compositeur pour la musique, mon petit frère m'aide un peu à tester pour valider ou non, c'est une idée, ouais. Non, mais c'est assez fou hein, en termes de. Enfin, franchement, pour avoir un taf tout seul, c'est. Moi, ça me fait toujours halluciner en vrai. À chaque fois, j'ai toujours à dire est-ce que les gens ils flirtent à moitié avec la folie ou pas pour faire des trucs tout seul, mais. Celui-là, en termes. Du coup, je disais, il y avait beaucoup de. Il y a beaucoup d'ennemis et tout, mais en vrai, il y a combien d'ennemis et d'objets et tout? Parce qu'il y a l'air d'avoir quand même vraiment un sac à paquet, quoi. Et surtout, je trouve ça vraiment sympa, parce que il y a plein de stats, clairement. Et comme on peut le voir ici, hein, les stats, donc il y a tout qui est détaillé ici, donc point de vie, armure, donc force technologique, pouvoir influer sur des trucs, les épines, le vampirisme, donc les coups des spikes pour envoyer des dégâts, metal scrapping, enfin, il y a vraiment moyen de faire des builds complètement différents, quoi. Là, pour l'instant, donc on est sur un build qui marche très bien.
mais on peut très bien imaginer un build qui justement va tu vas générer des points d'armure à chaque fois que tu vas mettre tu vas prendre des dégâts, tu enfin, je sais pas, il y a plein de trucs de speed, jump, charisme. Alors, je vous avoue que jump, j'ai du mal à voir vraiment en quoi ça peut être super cool. Mais et là du coup ce perso il peut pas avoir d'armure mais bah après de ça en prochaine run on fera avec un autre perso. On fera un truc avec un perso avec de l'armure quoi. Charisme exactement quoi. 250 objets à peu près, une centaine d'ennemis quand même. T'as du coup j'ai vu que t'étais Lyon. Je dis ça parce que j'habite près de Saint-Etienne en fait, hein, sinon. Sinon évidemment. Fait quoi celui-là? Il fait plus 6 en speed. Ah, il est peut-être mieux que celui que j'ai. Ah ouais, il est mieux celui-là. Il est comme le mien, sauf que lui, il fait plus 6% en speed. On va le prendre. Ah mais je suis... Ah par contre, c'est un problème avec mon cerveau. C'est qu'en gros, quand je choisis la récompense avant la reine, dans ma tête, j'ai déjà la récompense. Donc, par exemple, la reine qu'il y avait eu avant, pour moi, j'avais déjà les dégâts de les dégâts des pets, en fait. Quand j'ai ramassé, je me suis dit, ah, je suis con, je les avais pas. Et là, dans ma tête, j'avais le truc qui pouvait faire que je pouvais balancer 3 cœurs au sol. Donc en gros, j'ai spammé les cœurs, alors qu'en fait, il n'y en avait qu'un seul que je pouvais mettre. Des strikes sont plus utiles que d'autres, si je sais équilibrer en max, il faut oser des builds bizarres, ouais. Non mais franchement, c'est cool, c'est des fois, t'as des builds complètement fous qui marchaient bien, quoi. Donc, je suis pas un mot, j'ai cru qu'on parlait d'astrologie. Beaucoup de gens pensent de cette manière. Bah non mais en fait je pense que c'est juste qu'il y a... Je vais pas dire qu'il y a tellement d'infos à prendre en compte mais... Bah, du coup toi quand tu joues, vu que t'es à bloc dans le truc, tu... t'as ton cerveau qui assimile au fur et à mesure et... Ça c'est pas mal. Pourquoi pas. Ça non. Ça me ferait que je regagnerais des points de vie mais en même temps j'en ai plein donc on s'en fout. Alors plus 10% attack speed et moins 1 en strength, je vais le prendre vu que de toute façon on joue avec le truc qui fait que j'ai des dégâts fixes, donc autant prendre l'attack speed. Après j'ai 1000 pièces, putain j'ai 1000 pièces en compte monde, c'est rigolo ça. Ça je sais pas trop. Voilà. Prendre ça. Plus 10% technologie, moins 1 max énergie, c'est hors des questions. 5 techno, moins 2 strange, pourquoi pas. C'est rigolo ça. Je savais pas qu'il y avait une gravité pour les projectiles. Plus 1 max énergie, plus 5 technologie. Prendre celui-là, c'est la force, on s'en fout, on a dit dans cette run. Ça c'est les max HP, charisme, technologie, ouais donc je crois que la force n'a vraiment rien à carrer là. Du coup on a dit ça. Hein. Hop, et on peut gagner de la force, pourquoi pas. Ok. Ok, tac. WCR, c'est pour le stream. Ouais, ça marche. Des bisous, Grand Moule. Non, franchement, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. En plus, il y a plusieurs persos différents. Alors, on me dit pas combien il y en a, mais je sais qu'il y en a, au moins 3 ou 4 que j'ai pu voir. Donc, ça, c'est cool aussi. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas 6 cases dans l'écran de sélection au départ. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est aussi le fait d'avoir plein de persos et qui vont du coup varier les runs. Cela, par exemple, la patate qu'on a, donc elle peut pas avoir d'armure quoi. Mais je peux encore refresh une fois, mais
j'aurais pas forcément le pognon pour acheter. Là, du coup, si j'ai refresh, je tombe à 320. Ça risque d'être. Ça va être un peu short quoi. Du coup, je vais plutôt garder, je vais plutôt passer. Bon, je vais garder mon pognon, je vais passer par là. Là, j'ai dit que je passais par la voie du haut, hein, c'est ça. Là, y'a rien d'autre. Hein. Il reste au moins un chat avant la voie. Mais c'est pas possible, c'est aussi nul qu'on s'en déconne. Ouais, pourquoi pas. Alors si je vais en haut, il y a un petit ange, ce qui peut être cool. Par contre, ça fait deux combats, machin. Ouais, non, on va pas tenter le diable, mais elle est cool comme point de vue. Ok, ça. Mais... dans mon esprit, les projectiles s'arrêtaient aux plateformes. Voilà. Du coup, j'ai pris un dégât, je me suis dit « Ah merde, ça s'arrête pas aux plateformes !» Et j'ai repris un dégât pour être bien sûr. Quoi. Putain ! Ah mais d'accord ! Je me suis dit « Tiens, le con, on l'a jamais eu, je sais pas ce qu'il fait. » Bah voilà, il met des coups de tête et il passe très... C'est un peu mignon, là. Alors, ça crée plus 100% de dégâts avec un ennemi, ça, laser. Oh 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 oh, c'est pas mal ça. Je l'ai pas déjà ça? Ah non, je l'ai pas cette partie. Mais je vais prendre ça, hein. Clairement. Hein. Tiens, pour les autres. Hein. Merde. J'ai pris cher. Champignon. Je prends un dégât maintenant et je récupère plus 10 en turn. Bah ouais, carrément, on prend ça. Ah oui, mais en plus, j'ai même pas pris les points de dégâts parce que j'avais. Parce que j'ai le truc qui fait que je devrais prendre un point de dégâts par zone. C'est rigolo ça. Du coup, ça a annulé le point de dégâts que je devais prendre, très bien. Bah là, je vais roll par contre. Recover en HP plus 50 armes, ouais. Max énergie, technologie, c'est pas mal ça. Ça coûte cher quand même. Plus 100 max HP. Bien aussi. Ça non. Du coup, j'ai bien envie de prendre ça. Plus une ferme, plus 2 max armor. Allez. Bon bah j'ai plus de pognon, on est pas mal. Ah mais c'est quoi qui me fait des trucs? Là
Ah mais c'est l'autre là-bas. Du coup, on fait quoi? Bah la ligne où je suis, ça me paraît pas mal en vrai. Bon, les premières zones sont un peu vénères, mais... Ah, si je dis que j'allais tout droit, hein. Je sais pas ce qu'il fait des carcans là. Pourquoi c'est que là je défonce tellement les vagues que je sais même pas ce qu'ils font. C'est réellement plus un massage P, ouais pourquoi pas, plus un armor non, 3, 1. Voilà, c'est la même chose que j'ai déjà, ça me ferait plus un piggy bank et plus 10 négociations, mais on s'en fout un peu hein, maintenant le lancier. Je te vois mal perdre. Hein. Hop hop hop. On va pas commencer à jinx, ce truc. Voilà, déjà, on se prend des dégâts comme ça. Ah mais j'ai pris 2 dégâts en vrai. Ouais j'ai le droit à un coup au Grotos. Voilà. C'est merde, hein. Voilà. Merde. Ouais, ça non. Ah, bien ça. Enfin, bien, ouais. Ouais, c'est ce que je disais, hein, là, dans ma tête, je l'ai déjà, alors qu'en fait, je l'ai pas, quoi. Allez. Bah, en même temps, je peux me soigner. Hein, donc... Dommage. Hop, du coup, je prends 5 minutes pour me soigner. Du coup, ça me mettrait. Voilà, hein. Et puis, on va roll. Hein, vu que la tasse en presse, c'est le gros boss. Hein. Ça non. Leaf Poison via New One Move. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal ça en vrai. 342, moi je peux prendre les deux. Ah, mais là c'est gentil. Ah, bah si, mais c'est cool parce qu'en fait en vrai, y'a ça qui me file 3 points de vie, ça tombe bien. Tout s'aligne. Mushroom Kings. Bon, complètement méchant.
termine à 21%, à 21 points de vie sur 21, on peut dire que je ne suis pas fait toucher pendant le fight. C'est honteux. C'est honteux. Ça, c'est cool, 7% attaque speed et jump ahead, ça. Mais bon. Les temps, on est vampiré, ça. Ça respecte pas le jeu. Bah non, mais c'est le jeu, il est fait. Ah, c'est rigolo, le poison que j'ai derrière moi. Challenge complete. Merde. Ouais, si tu veux. Ah merde, mais attends, mais c'est pas fini. Devil Shoulder Armor. Bah ouais, mais je peux pas l'avoir. C'est con, c'est... Ça paraissait assez cool comme truc, mais... Escape Tartarus. Wouhou! Et en plus, je pars avec tous mes copains. On a ramené la planète entière avec nous, quoi. Bim! Et c'est le GG! Impeccable. Ah, du coup, j'ai débloqué le Butcher. Is strong. Il commence avec 3 CS. Et une petite portée. Oh, j'ai débloqué Vubi. Queen Cell et 8 hits. Clone will die instead of Vubi. Can adopt 3 clones. Clone deal 20%. Ça a l'air. Ça a l'air rigolo à jouer ça. Babouk. Start with throwing speed. 15 vampirisme. Il peut avoir jusqu'à 20 vampirisme. Ah, parce qu'elles sont, elles sont, il y a un max au stat. Je sais pas qu'il y a un palier max en fait. Et merci. Et quand même, il peut pas perdre plus d'un point de vie par à la fois. Et il peut pas avoir plus de 3 points de vie. Ah, c'est la merde ça par contre. Robbie. Bon, c'est 8 d'armure. D'accord, donc au lieu de faire le truc, il récupère de l'armure, il est rapide. Par contre, il a qu'un point de vie. C'est capé avec 15 vampires, d'accord. Baby close. Plus un armure, plus 3% de mettre. Billy. Ah, cool. Abyssal Pact. Et 10 vampirismes. C'est pour ça, speed, ok. Brick, plus 100 max HP, fall faster. Plasma Grenade. Picture, réaliser le chapeau. Alien Eyes. Storm Armor. C'est cool cette armure. 6 d'armure, 50 en spec. Wow. Puis une barbe. Plus 21% en charisme. Excellent. Barbarian Curl, d'où les dégâts, la force. Ouais, quand même. Et on peut plus avoir d'armure. Oh, c'est que machine. Tensellum for. Ah, voilà. D'accord. Ok, donc là, effectivement, c'est l'objet dont tu parlais tout à l'heure. On peut recycler, mais avec ce truc-là. Mid blob. Tranquillisant. Putain, j'ai débloqué une merde de trucs, quoi. J'ai débloqué à moitié dur. C'est vrai que c'est un peu l'idée. Berserker Mask. Le prix est 9% de dommage, j'ai vu le weapon, ok. Eh bah bien. Bien. T'as une heure en fait. J'ai découvert 30 nouveaux ennemis, 42 nouveaux objets. Du coup, j'ai débloqué 18 nouveaux objets, 4 personnages. Alors, je vais juste aller sur le menu. Je vais juste aller là.
items. Ah, ça, il me reste encore. Ah, je suis à 63 sur 259. Ouais, ça... ouais, il y a encore de la marge, quoi. Il y a encore de la marge, ok. Et les ennemis, je suis à 48 sur 56. Ouais. J'en ai débloqué quand même, j'en ai vu quand même beaucoup plus. Quand on clique dessus, quoi, non, ouais, juste là. Si j'allais dire, il n'y a pas les boss, mais si, c'est juste qu'ils sont rangés. Hein. Et du coup, pour ça, tu comptes quand même mettre un petit nom ou pas? C'est un peu tristouné qu'il y ait... Ouais, j'imagine qu'à la place de l'ennemi 11, il y aura le nom d'ennemi quand même. Et tu comptes mettre un petit descriptif de l'ennemi ou pas? Ou tu veux juste laisser comme ça, juste avec le nom J'ai mis les noms de description avant. Ok, 6 persos. Mais je sais pas si c'est en utile ou pas, ce genre sera bien galère à traduire en plus. Ah ouais, il y a ça, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce problème. Peut-être juste le nom, quoi. Le nom, au pire, tu le traduis. Enfin, remarque, ouais, si tu veux faire en chinois un truc comme ça, t'es obligé de le traduire. Ouais. Et du coup, là, j'ai les 6 persos du jeu, j'imagine. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Et ça monte jusqu'au niveau combien, les persos? Ben, en fait, je suis bête. Il suffit que je regarde en bas de droite de mon écran et je vois que c'est niveau 5 maxi. Allez, salut, si j'ai encore des questions qui servent à rien, j'hésiterai pas. Ah, c'est cool, il y a le record aussi de... Du coup, il est quoi? Il est 11h20. Putain, j'ai envie d'essayer ça, c'est vraiment débile ça. Ah, il a quand même mis en slip. Donc tous les 8 coups, il se clone. Les clones, ils meurent à la place de moi, à ma place. Je peux avoir jusqu'à 3 clones, et ils font 20% de dégâts. Ah mais du coup j'attaque comme ça. Ok. C'est un gros argument, oui. Ah mais c'est un gros argument en marketing. Hein. Vu que j'ai pris un truc qui me fait... qui me fait de la thune en plus dans les Y0, bon, elle est au-dessus, hein. Ah, j'ai du vampirisme dessus, sérieusement? Bah, je vais le prendre. Pourquoi je le prendrais pas s'il fait la même chose que j'ai, mais en mieux? C'est l'orgie de... Ah oui! Ah mince! Je prends des dégâts. Si non, non, en fait, si ouais, non, je me demandais si le machin qui était avec moi il tirait aussi si j'utilisais ça. Oh, ouais, ça sent le secret, ça. Triste.
Alors, sans... ouais, mais sauf que j'ai pas le cœur, ça sert à rien. Et j'ai pas de pattes non plus. Alors, est-ce que c'est considéré comme des pattes, mes clones? Ah, ça te donne le cœur aussi? D'accord. Les clones sont pas des pattes, enfin. Et bah non plus, moi t'as ce Là, on peut taper dedans, mais c'est la merde quand ça se passe comme ça. Faut attendre. C'était quoi ça? Un Bloody Shield? Non, mais faut arrêter avec les shields. Je ne fais pas ça, monsieur. En pied, négociation, bien voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ah non, 3%. Je sais pas si du coup je vais le prendre, mais je sais pas si les turns s'appliquent aussi à mes clones. On va prendre ça par principe. Ah, ça marche aussi sur. Ouais, d'accord. On va se décaler. Ah, mais là, on peut pas se décaler dedans. Faut qu'on aille au-dessus. On va aller au-dessus alors. HP Sancta. Ah, c'est nul ça. Ouais, moins 30% de négociation, c'est pas ouf quoi. 35, ouais. Un peu nul cet engin. Le Big Nose faisait moins 100% de négociation. Ah, et quand même.
Ça non, ça pourquoi pas. Ouais, mais ça oui, clairement. Ouais. Ça c'est pas mal. Ce soir j'ai un plan en moins en négociation, donc je suis plus à ça près. Metal Scrapping, ça peut être presque être cool aussi. Plus 3 armor, plus pourcent attack speed. Ah, et le problème c'est que des armures comme ça, c'est une fois que elle se casse, cette armure, c'est l'idée. Hein. C'est que là en gros je l'aurai à 3 stacks d'armure. Si jamais je perds les 3, je perds l'objet, j'imagine. Et mon attaque, par contre, elle se scale sur la force aussi, alors du coup. De toute façon, j'ai pas assez de pognon, donc en vrai, ça sert à rien de regarder ça. Je vais prendre ça. Hein. Allez. Ça sent complètement l'embrouille cette histoire de 32-68 là. C'est quoi ça? Syringe. Je sais pas ce que c'est. On va essayer de faire la ligne là parce que je sais pas ce que c'est le truc avec les petites ailes là. On verra. Je pense un truc qui craint, mais on va quand même tenter. Et du coup, ouais, donc tu. Donc ça reste une question auquel tu. T'as répondu sur le stream de Rogue également. Tu bosses sur Game Maker, toi, c'est ça. Et ouais, ça fait combien de temps que tu bosses dessus, tiens? Je t'ai même pas posé la question depuis combien de temps t'as commencé ce projet. Et c'est un projet. Et pareil, c'est un projet que t'as commencé pendant tes études ou c'est un truc que t'es dit vraiment après Maker Studio 2? Ça se fait quoi? Offensibility. Ouais, non. De toute façon, j'ai pas d'armure. Non. Tu veux baisser un peu le son du jeu, Bastio? Monter le micro? Ouais, je sais pas, il a dit tout à l'heure que c'était bon le son. Bon, attends, pire, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu, mais je vais pas trop le baisser non plus. Après c'est vrai que ouais, je parle pas trop trop fort. On va mettre ça comme ça, allez, hop. J'ai commencé environ un an après la fin de mes études. Un mois, ouais voilà. C'est du coup t'as fini quand? T'as fini En fait ouais, c'est combien de temps que tu passes? Un an et demi, d'accord. Ok. Ouais, y a pas d'action, ouais. Mais c'est vrai que du coup t'es. Oh putain! J'ai rien compris ce qui s'est passé, c'est bon. Eh merde. Ok, donc si je fais ça, ça me téléporte.
Eh mais il attaque complètement à travers les murs! C'est l'arnaque! Et donc les machins là, bah, ça téléporte en fait. Ah mais ça téléporte forcément au centre par contre, ok. Je suis pas du tout en train d'essayer de voir si je peux arnaquer le jeu en tapant sur les trucs pour ça génère des hits et que ça recharge. Alors attends, on va voir ce que c'est ça. Ah mais d'accord, c'est le mec qui a les petites injections et qui vont bien. En vrai j'en sais rien. En vrai j'en sais rien parce que je vais prendre des dégâts en fait. Sur Discord Game Dev francophone, tadada. Non, attends. Hop, qu'est-ce que tu veux? Excellent Armor with Technology. Bah non, ça sert à rien. Alors on a quoi? Extra batterie, donc ça peut être pas mal. Ouais, donc c'est. Oui. Ouais, je vais prendre ça, allez hop. Mais vraiment, je pense à réutiliser plus mon. Ah merde! Oh là là! Ah! Oh là là, oh là là. Ah non! Ah, ça crache! Ah bah, c'est triste. Je crache. Ouais, y'a un message, ouais. Ouais, mais là, ça. Ouais, non, mais limite du caractère atteinte. Non, non, j'ai un message code error. Bah attends, je te l'envoie, je te copie-colle sur, sur Twitter si tu veux. Attends, hop, tac. Hop. Ouais, ça va, c'est cool. Bon, ça, la mise en forme, elle est presque respectée sur Twitter. Ok. Bon, on va relancer le jeu, c'est pas grave. Hop. Hop. Attends, il fait quoi le. Bim, c'est reparti. D'apprivoiser Unity pour l'instant, mon autodidacte. Tout à l'heure, du coup, j'ai toujours pas eu. J'ai pas eu le temps de retourner voir. Oh la tristesse, du coup. Du coup, j'ai pas eu l'XP pour le Vubi. On essaye quoi? C'est Roby. Roby, ça a l'air dur hein, quand même. Parce que un point de vie, alors j'ai de l'armure, mais. Mais il attaque à ses pieds, il attaque même pas de tout droit en fait. Ah, il attaque pas non plus en à la verticale, il attaque en diagonale. Ok, alors ça je prends. Greedy. Non. Faut en prendre ça, mais on va pas prendre le truc. Pas déconner parce que. Ouais, je sens que ça va être très compliqué. C'est ça le pattern d'attaque en diagonale, j'avoue que c'est. Ah! On va aller voir le démon. On n'a pas encore vu des monstres. Merde!
fait, sinon j'ai accessoirement j'ai un flingue à utiliser en fait. Allez les statistiques. Et par contre il a de faire mal Ah oui, il a 10 en force de base quoi. Ok. Alors le démon. Qu'est-ce qui se passe avec le démon? Ah, le démon en fait il me met un coup. Ah ouais, donc le démon, quand t'as le machin qui bloque un coup, c'est pas mal en vrai. Ouais, on prend ça quand même. Alors du coup, y'a quoi? Item, cœur qui explose. On va prendre ça, tiens, ouais, on l'a pas encore pris ce soir. Hop, hop, bim, bim, bim. Avec plusieurs morts, c'est bien ça. Ça, c'est un jeu de James, pas de vidéo. Non, bien sûr, mais. Ouais, faut que je trouve du temps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment pas trop le temps de. Pour plein de trucs, et puis là, du coup. Là, du coup, je me suis motivé à faire une session jeu de rôle via internet, à voir comment ça se passe. Du coup, je suis en train de. Voilà, bouquin sur. Je suis en train de relire les règles de Kuro. Enfin, les règles univers et plein de trucs. Et a priori, on joue pas samedi-ci, mais le suivant. Donc là, en ce moment, j'ai plein de trucs à lire. C'est pour ça de démarrer, pour continuer d'ailleurs, ça t'aide beaucoup. Ah! Ah, mais vas-y! Mais non! Oh, c'est une catastrophe. On va pas se mentir, c'est une catastrophe. C'est cool la bonne communauté. Ouais, clairement, franchement, quand tu devs, je pense que c'est cool d'avoir plein de gens pour t'aider, te faire des petits conseils et tout, quoi, parce que... Non, enfin, les tables physiques ont migré, quoi, ouais, voilà. Bah le truc c'est que ouais, bah nous non, on fait une fois par mois, voilà, j'ai des potes qui viennent à la maison, mais malheureusement bah là c'est plus possible et au début bon ça manquait pas spécialement et puis plus le temps passe, plus tu te dis tain quand même j'ai bien envie quand même d'aller faire du JDR quoi. Du coup prendre ça. Donc voilà, donc là je vais tenter ça, on verra. Je sais pas du tout si ça va me plaire ou pas, parce que j'avoue que le côté, enfin le JDR j'aime bien, parce que bah, si c'est aussi pour la présence physique des gens. J'ai pas trop ça à donner quoi, on verra. Mais du coup j'ai bien hâte quand même. Attends, faut que je regarde où je passe en fait là. Est-ce que j'irai pas tout en haut pour les récupérer les trucs? On va essayer de faire ça. Là. Ah mais j'ai pas de thunes. Ah oh, c'est dommage. Ah hein. Oh, c'est triste. Tiens, le pire pour les autres. Oh mais non. Mais non. Mais... Mais non! Ah, c'est horrible, l'attaque qui tape vers le bas, quoi. Putain. Ah, c'est. C'est des démarches, hein, quand même, hein, Robin. Bon, lui il fait quoi? Il commence avec une lance, il a 40 vampirismes, donc oui, ça, il peut avoir jusqu'à 20 vampirismes, par contre il peut pas perdre plus d'un point de vie, mais il peut avoir plus de 6 quoi.
Ah ouais. Wow. Cool. Non. Alors, ce qu'elle lui fait au max HP, non, clairement pas. Hein. Ah, putain, ça coûte 3. Oh, ouais. Par contre, c'est cool, la portée qu'il a, lui, c'est. Alors, on va par où? Bah, la ligne où je suis, ça me paraît très rien. Hein. J'ai sauté dans la boule, enfin la première, j'ai sauté dedans et. Oh non, mais c'est. C'est toute une vie de façon, t'allais en finir avec la ronde. Ah, c'est pas patato, ah bah là, c'est. Ouais, on va faire un tank. Quoi? Ah, c'est arnaque! Ah oui, donc quand ils disent que c'est. Ok, d'accord. Ah, j'ai cru que je pouvais. Enfin, ouais, c'est arnaque. C'est arnaque inverse quoi. J'ai cru que je pouvais arnaquer le jeu, mais je lui ai dit non. Il y a trop mec. Tu penses vraiment que je vais mettre en plus 1 max HP alors que t'as pas le droit quoi. Bon bah voilà. Par contre, il m'a bien mis les moins 20% en speed et moins 20% en jump quoi. Dégoûté. Bon, c'est banger, hein. J'essaie d'arnaquer le jeu. Bon bah voilà. Faut que je vais aller en bas pour aller récupérer le coffre à terme. Oh, je l'ai pas vu! Enfin, c'est pas que j'ai pas vu, j'ai surtout pas vu que c'était ça comme, comme perso. Vas-y, mec, je crois en toi. Oh, bah c'est bon, je m'excuse, hein, tout à l'heure tu m'as arnaqué, mais là. Là, c'est beau ce que tu viens de faire. Hein. Je suis fou. En fait, je pensais pouvoir passer au-dessus, sauf que bah, vu que j'ai moins de, pourquoi un petit symbole là-dessus. Vu que j'ai moins de distance de saut, bah non, ça n'a pas été possible. Ah ça permet de se. Allez voilà. Ah c'est le truc qui fait que je prends double dégâts là. Alors par contre, est-ce que je peux re-arnaquer le jeu et faire que de toute façon, vu que mon perso il peut pas prendre plus que un point de vie à la part. Bah ouais, clairement. Je pense. Hein. J'ai le droit de faire ça. Twitch est mort? Comment ça il est mort Twitch? Pourquoi? Alors ça ouais. Enfin, ça aurait été pas mal ça. Ah merde! Ah ouais, du coup, il n'y a plus rien là.
Bon, ouais, continuons. Du coup, ouais, non, je prends le sang. Alors, un à moins, non, c'est moins, ça pourquoi pas. Technologie en moins, mais on s'en fout un peu de la technologie, j'ai l'impression. Du coup, je vais prendre 100. Je vais prendre 100. Ouais, c'était un build où on tape phare, hein, de toute façon, ça paraît cool. Hein. Enfin, c'est dommage pour le mid-blob parce que. Parce qu'elle soit les points de vie, je n'en ai forcément pas beaucoup. Bah bon, au pire, peut-être qu'il peut bloquer les dégâts quand même, quoi. Ouais. Putain, je mets des sacrés pralines quand même. Du coup, je vais faire quoi? Ouais, je prends la topaz par en haut quand même. Mais j'ai peut-être que. Ah ouais, non, en fait, je me suis trompé. Eh bien. J'avais une bonne run en plus, c'est un peu bête ça. Quatre dégâts, bah non, c'est nul, j'ai plus de base. Prendre ça, mais. Catastrophe.
partie. Non. J'ai déjà celle-là. Mais non. Ah ouais, je me suis trompé. Pourquoi j'ai fait ça? Un truc qui m'enlève du... Je peux pas les battre. Putain, je peux pas les balancer du coup. Putain, j'ai vraiment pris un truc qui faisait moins un HP max. Ça c'est con, il n'y a pas de coupé en plus à cet endroit là. Ouais, ça pourquoi pas, on peut faire ça. Ah, du coup, bon, petit aller au chat. Ouais, plus 8 force, ouais, cool. C'est con, j'aurais dû... Ouais, de toute façon, je peux pas. Max HP avec max énergie. Bah non, sinon je peux pas me soigner.
Oh, ça se voit. Ah, même pas. Mais non! Pas le droit de prendre des dégâts comme ça.